Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale potager. Aujourd'hui nous allons voir pour repiquer les pieds de melon. Donc là j'en ai 8. Et pour mon matériel, j'ai besoin d'eau, de mon plantoir, un petit sécateur pour tailler le melon et puis mon mètre pour vérifier l'espace entre les plants. Donc je vais déjà les arroser un petit peu. Et ensuite, je vais prendre mon plantoir et puis mon plantoir. Enfin, mon plantoir et mon mètre. Donc, normalement, il faut un mètre d'espace entre les pieds. Mais bon, je pense que je n'aurai pas forcément assez. Donc, moi, je vais prendre que 60. Voilà. Donc, hop. Donc du coup, le melon il aime bien une terre bien riche et bien aérée. Donc j'ai fait un mélange avec un peu de terreau avant et j'ai bien biné ma terre et enlevé toutes les mottes pour avoir un sol bien aéré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes plants. Alors, je vais commencer par les plus beaux. Je vais le faire au-dessus comme ça, je ne perds pas de terreau. Voilà. Alors si les racines elles sont brunes, donc là c'est pas le cas, vous ne repiquez pas parce que du coup c'est pas un plant qui est sain. Vous prenez les plants les plus vigoureux et ceux qui ont les racines blanches et les feuilles bien vertes. Voilà, je casse un petit peu ma motte. Voilà, sans trop abîmer les racines. Et après, hop, je vais l'enfoncer. Donc je mets jusqu'aux premières feuilles. Et puis comme pour ce qu'on a vu pour les ce que vous pouvez faire pour les courgettes ou pour les pieds de tomates ou toutes les plantes qui aiment bien l'eau, vous faites une petite crevasse autour. Comme ça, le pied garde l'eau quand vous les arrosez. Ça permet de mieux arriver jusqu'aux racines. Hop, j'ai mon sac qui s'en va. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever là. Alors, je vais prendre mon sécateur pour ne pas abîmer. Et voilà, les melons, il faut bien les tailler, surtout quand vous êtes dans le nord comme nous. Voilà, donc je vais enlever ça. Et du coup, je vais aussi tailler ma feuille du dessus. Voilà, je vais laisser que la deuxième. Bien. Donc, hop, je vais arroser. Oui. Et que mon pied, voilà, ses feuilles sont bien vertes, les racines sont bien blanches. Donc mon pied est sain, je peux le replanter sans problème. Je casse un petit peu la motte. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les petites feuilles du début. Et puis, avec mon sécateur, je vais venir couper. Hop. La feuille du dessus. Voilà. C'est important de tailler les melons, surtout si vous n'êtes pas au sud-ouest. Voilà, donc hop, je remets de la terre jusqu'aux feuilles. Donc je tasse bien. Je fais ma petite cuvette autour. Hop.
Voilà. Et après, je vais arroser. La terre absorber l'eau et puis je vais mettre mon petit paillage. Et voilà, votre deuxième plaid de melon, il est planté. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo spéciale potager et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ingrédients secrets de Mamandine, votre grande pizzeuse.com.